Good morning, alle Yiden, il est tu sera aujourd'hui le Nishmat Amram Yonam Elchana, Peggy Batezer, Zabat Mazal Tov, Shish Portish, Simon Batleoni, Michel Novikov, aussi deux fois, Trout, Pat Klodin, Train, Amator, Shachol, Israël. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étudions Shvuot, Père Gimel, Mishnah Dalet. Shvua Shalo Ochal, Veachal, Ochalim, She'einan Reuin, Achila, Veshata Mashkin, She'einan Reuin, Ishtia, Patour. Shvua Shalo Ochal, Veachal, Nivelot, Utrefosh, Ketzimur, Massim, Chayav. Rabbi Shimon Poter. Amar konam ishti nenit li im achalti ayom vehu achal nevelot trefot shkatzim urmasim arei ishto asura. Mishnah simple, mais il y a une notion importante à connaître dans la Torah. On l'a déjà évoqué, le principe de issur en issur chal issur. J'ai repris les Mishnahs en erreur, j'ai pas trouvé à quel moment on en a parlé, mais c'est pas grave. En tout cas, je vois shalo achal, première partie de la Mishnah d'abord, elle est très simple. Je vois shalo achal, je jure que je ne vais pas manger. Et après, qu'est-ce qu'il a fait l'ami? Il a ensuite mangé des aliments qui ne sont pas comestibles. Il a mangé du papier, du bois, du coton, je ne sais pas, d'accord? Donc, c'est des aliments qui ne sont pas mangeables. Il a bu encore une boisson qui n'était pas apte à être bu. Des eaux, des égouts, je ne sais pas ce qu'il a pu boire encore. La Mishnah enseigne, patour, il sera dispensé d'amener un corban, il n'a pas transgressé son serment. Soit, raison très simple, quand tu t'interdis de manger, tu n'interdis pas de mâchouiller quelque chose que tu vas ensuite avaler. Non, tu interdis de te nourrir. Et si tu manges des choses qui ne nourrissent pas, alors tu n'as pas à manger. Si tu manges de l'herbe, alors ça ne se mange pas, ça se fume. D'accord ? Ça se mange pas l'herbe. Donc tu as mangé de l'herbe, tu ne seras pas... Ouais, à la gomme à la porte aussi, elle a mangé de la terre, tout ça. Tu n'as pas été engagé par ton serment à ne pas manger ces choses-là. Nouveau cas maintenant. Je vois chez l'Ochal, Ve'achal nevelot utrefot shkatzim urmasim. Chayav. Il a juré qu'il ne va pas manger. Et ensuite, il a mangé des nevelot utrefot. Nevela, c'est un animal mort qui n'a pas été abattu par la shrita. Il est mort de manière naturelle, par un coup sur la tête, électrocuté. Mais en tout cas, pas par la shrita, c'est ce qu'on appelle une nevela. Une trefa, c'est un animal auquel on a fait la shrita, mais il s'avérait que l'animal n'était pas viable. Il avait, par exemple, un trou dans le poumon, il avait des tas de trefot. Dans la Sechet Roulin, on en parle longuement des différentes trefot qu'il peut avoir dans les animaux. D'accord? Ça, c'est trefa. Les shkatzim urmasim, ce sont des différents insectes rampants. Ouais, les shkatzim, c'est les insectes. Les urmasim, c'est plutôt les rampants. Il a mangé un lézard, il a mangé des tas de... Je ne sais pas ce que ça peut lui prendre. En tout cas, il sera chayav. La Mishnah enseigne apparemment quelque chose de simple. Et Rabbi Shimon, ensuite, il nous dit il est poter, il le dispense de korban. Apparemment, quoi? On parle de quelqu'un qui a juré qu'il n'allait pas manger. Et il a mangé des choses que, de toute façon, la Torah avait interdit. Alors là, bien sûr, vous allez me dire, mais c'est des choses consommables, comestibles, tout à fait. Puisque l'égoïme les mange. Donc c'est comestible. Un homme se nourrit avec ces choses-là. Alors comment c'est possible? Pourquoi, donc dans ce cas-là, il devrait être chayav? Ouais, on va plutôt commencer par Rabbi Shimon. Et en fait, Rabbi Shimon, la raison pour laquelle il le dispense, c'est parce que « en shvua chal al shvua ». Autant que « en issur chal al issur »,« en shvua chal al shvua ». Je vous ai dit, on l'a déjà évoqué dans les... récemment, j'ai en tête qu'on en a parlé, que j'ai expliqué, même je n'ai pas retrouvé, je reprends un peu le Mishnah, je ne sais pas si ça remonte jusqu'à Yamakot, peut-être que ça remonte à Makot apparemment. En tout cas, le principe, il est simple. De manière générale, une chose qui est interdite, dans une certaine configuration, lorsqu'il va y avoir ensuite un deuxième interdit qui va venir incomber à cette première chose interdite, alors il ne sera interdit qu'une seule fois. On va parler plus concrètement sur le cas de la shvua. C'est le même principe. Je jure que je ne vais pas manger du pain. Et après, je sens que j'ai encore rien de sain à manger du pain. Je me dis non, je jure que je ne vais pas manger du pain. Donc j'ai juré une deuxième fois que je n'allais pas manger du pain. Il y aura une longue Mishnah qui va en parler prochainement, de ce principe-là, on va l'analyser sous plusieurs aspects. Mais en tout cas, pour le moment, le cas le plus simple. Puisque j'ai répété la même shvua, j'ai répété que je ne veux pas manger du pain, alors, puisque ce pain-là, il était de toute façon interdit par le premier serment, le deuxième serment n'a pas lieu de m'incomber, il n'est pas chal. Ouais, il n'est pas activé. D'accord? On en parlera longuement. Mais une chose qui est interdite, en tout cas, c'est le même principe. Plusieurs explications dans la Gemara. Le principe général, il est que d'abord, on a juré à Hachem qu'on allait accomplir toute la Torah. Ouais, c'était les Shvuot
les klalot de Kitavos, en réalité, c'est, on a reçu la Torah Bishvoa avec 48 Shvuot. On en a parlé dans 5 minutes quand on a fait Kitavo l'année dernière en Elul. Très intéressant d'ailleurs. Allez voir si vous voulez sur le site. C'est très enrichissant de savoir que cette joie, on a juré 48 serments sur chacune des mitzvot de la Torah. Voilà à peu près ce qu'on a juré. D'accord ? Donc, premier principe, on en reparlera à la fin de ce pérec. On en reparlera, il y aura une Mishnah qui parlera, on évoquera un peu plus d'autres raisons encore. En tout cas, de manière générale, on retient le principe, c'est ce qui m'intéresse. Une chose qui est interdite par la Torah, je ne peux pas jurer pour me l'interdire. Soit, j'ai pas le droit de manger une viande interdite, de la nevela. Si je jure que je ne vais pas manger de cette nevela, alors je ne serai pas, et qu'après je mange, je serai certes chayav malkout, je devrais être frappé parce que j'ai transgressé l'interdit de manger une nevela, mais je ne serai pas frappé parce que j'ai transgressé ma shvoa. Et si j'ai transgressé beshogeg, je me suis trompé entre deux morceaux de viande. Je devais, au lieu de manger ma viande kachère, j'ai mangé la viande ensuite pas kachère. C'est un peu plus compliqué que ça. En tout cas, je me suis trompé, Bekitzo. Je me suis trompé et j'ai oublié que j'avais juré. J'ai oublié que j'avais juré que je ne devais pas manger ça. Et bien, en tout cas, je ne serais pas passible d'un korban, d'apporter un sacrifice expiatoire sur le fait d'avoir transgressé ma shvoa. Pour quelle raison? Parce que la shvoa que j'ai prononcée pour interdire quelque chose qui était de toute façon interdit par la Torah n'est pas chal. Elle ne m'incombe pas. De ce fait, on comprend très bien l'avis de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Poter, parce qu'il nous dit, Rabbi Shimon, quelque chose qui est interdit par la Torah, de toute façon, lorsque tu jures, tu ne peux pas te l'interdire de nouveau. Il est déjà interdit. D'accord? Dans ce cas-là, on a un problème à comprendre Chachamim. Pourquoi Chachamim le rend chayav? C'est un axiome admis par tout le monde, qu'on ne peut pas jurer sur une chose qui est de toute façon interdite. Presque tout le monde. D'accord? Alors, quel est l'avis de Chachamim qui nous dit chayav? Alors là, notion très importante, c'est ce qu'on appelle la notion de Issur Kolel. On va voir dans le prochain Mishnah un autre principe. C'est la même idée, avec une nuance. C'est l'issour mosif, issour kolel, issour mosif. Qu'est-ce que ça veut dire, issour kolel? Principe très simple. Si je jure que je ne vais pas manger du pain de blé, d'accord, du pain de farine de blé, et puis après, je jure que je ne vais manger aucun pain, alors puisque la deuxième shvoa que j'ai prononcée a englobé kolel, issour kolel, shvoa, issour kolel, c'est un interdit qui englobe. Puisque la deuxième shvoa que j'ai prononcée englobe des choses qui n'étaient pas incluses dans la première shvoa, alors il s'avère que puisque ma shvoa va de toute façon entrer en vigueur pour interdire les autres choses, alors en même temps, sur le coup, elle va interdire même les choses qui étaient déjà interdites. Selon ce principe, certes, je ne peux pas jurer pour m'interdire de manger une nevela, puisque de toute façon, je ne peux pas jurer pour interdire quelque chose qui est de toute façon interdit par la Torah. Mais lorsque je jure que je ne vais pas manger, alors je suis kolel dvarim amutari asurim im dvarim amutarim. J'englobe dans mon serment qui est dit général sur tout ce qui s'appelle aliment, j'englobe qu'il va y avoir des choses qui vont être à la fois permis, des choses qui vont être permises, des choses qui vont être de toute façon interdites. Tout ça dans une même shvoa, puisque la shvoa peut entrer en fonction, alors elle va incomber même aux aliments qui sont de toute façon interdits par la Torah. D'accord, c'est clair? C'est ce qu'on appelle issur kolel. Et Rabbi Shimon, il est cholek sur ça, il discute, il pense qu'il n'y a pas de issur kolel, ça n'existe pas un issur qui englobe. Lorsque tu dis que tu ne vas pas manger tous les aliments, alors en réalité, ta phrase, elle signifie que tu ne vas pas manger des carottes, des concombres, et du pain, et du Nutella, et de trucs, et de, mais elle n'inclut pas que tu ne vas pas manger non plus du halouf ou de la nevela, d'accord? Parce que de toute façon, c'est interdit, donc c'est pas chal dessus. C'est clair? Parfait. On avance maintenant, nouveau cas dans la Mishnah. Amar konam ishti shenitli imachalti ayom. Konam, c'est un mot qui veut dire neder. Je fais le neder, j'interdis. C'est une masechet nederim, ça se trouve pas dans Nezikin, ça se trouve dans Nashim. Je sais pas quand on en a parlé. Quand on interdit par neder, ça signifie que ça ressemble à rendre que tout va être kadosh face à toi. J'interdis, je fais le neder, faire le vœu. Ouais, c'est pas un vœu dans le sens goy. Mais c'est interdire des choses de manière à ce que, on va, face à toi, ces choses seront considérées comme kadosh. Par exemple, je veux t'interdire, j'interdis Beissour Neder, ce vin que tu n'auras pas le droit de le boire. Et bien, désormais, le vin face à toi, il est considéré comme si c'était quelque chose de kadosh. C'est le principe du Neder, d'accord? Vulgairement, c'est traduit par un vœu, parce que dans certaines configurations,
le neder devient un vrai vœu. Si je fais le neder de faire une mitzvah, donc j'ai fait le vœu de faire une mitzvah. Et ça nous engage, bien sûr, le yachel dvaro, il y a un interdit, un lave de la Torah, kechol asher yotze mipiv yaseh, il y a aussi une mitzvah tassé d'accomplir, mitzvah tassé, mitzvah tlo tassé, de transgresser son neder. Maintenant, pour ce qui nous concerne, ça, c'est, j'interdis, donc je veux interdire par un issour neder, konam ishti, j'interdis à ma femme, ne nitli, de profiter de moi aujourd'hui, imachalti ayom, si j'ai mangé. Si je dis comme ça à mon copain, ouais, qui me dit que j'ai mangé, je dis, écoute-moi, c'est tellement vrai que je dis que si toutefois j'ai mangé aujourd'hui, j'interdis par issour neder tous mes biens à ma femme. Genre aujourd'hui, elle n'aura pas le droit de profiter de tous mes biens. Elle devra sortir de la maison, elle ne pourra rien toucher de ce qui m'appartient. D'accord ? Comme ça, il a dit. Et ce qui s'est passé, c'est que il a mangé ses aliments interdits, qui sont les nevelot, trefot, une bête abattue, sans shrita, ou des rampants. Voilà ce qu'il a mangé aujourd'hui. En réalité, donc, il a conditionné l'interdit de sa femme par le fait d'avoir, par l'action d'avoir mangé. Cette fois-ci, alors la Mishnah enseigne Are Ishto Asura. Concrètement, succinctement. Tout ce que je. Donc, la Mishnah conclut Are Ishto Asura, sa femme n'aura pas le droit de profiter de lui. Soit, je répète, de manière plus simple. J'interdis à ma femme de profiter de moi si j'ai mangé aujourd'hui. Et, donc, par Issour Neder. Si j'ai mangé aujourd'hui, tout lui sera interdit. Si j'ai pas mangé, eh bien, elle aura le droit de profiter de mes biens. Ce qui se passe, c'est que j'ai mangé des choses qui sont des aliments interdits. La Mishnah nous enseigne que la femme. Donc, il a mangé des choses qui étaient interdites. Ah, t'as mangé. Donc, la condition est accomplie. Ta femme n'a plus le droit de profiter de tes biens. Voilà ce que la Mishnah nous enseigne. Cette Mishnah-là, elle va même d'après Rabbi Shimon. Rabbi Shimon qui nous enseignait que je ne peux pas jurer pour m'interdire quelque chose qui est interdit par la Torah. Cette fois-ci, Rabbi Shimon pense, même lui pense, que sa femme n'aura plus le droit de profiter de ses biens aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce que Rabbi Shimon pense effectivement que manger des choses interdites par la Torah, ça s'appelle manger. Notre problème était lorsque tu jures, mais lorsque l'action de manger, c'est simplement une condition pour autre chose. Je donne 100 shekels à la tzedaka si j'ai mangé aujourd'hui. Et il a mangé des shkatsim ou masim, il a mangé des aliments interdits. Eh bien, même d'après Rabbi Shimon, ça s'appelle que tu as fait l'action de manger quand tu as mangé des aliments interdits. De ce fait, là, la condition, tu l'as accomplie, donc tu dois donner 100 shekels à la tzedaka. Ou la même chose, la condition, elle est accomplie, donc ta femme n'aura plus le droit de profiter de tes biens. D'accord ? Principe simple. Mishnah, on fait le barthénoura très rapidement. La chal nevelot chayav, il a mangé des nevelot, des aliments abattus sans shrita. Il est chayav, il est passible du korban. Pourquoi ? Des reouin la chilaen, car ce sont des aliments aptes à leur consommation. Il ave de la chamana asrinu, si ce n'était le fait que la Torah les a interdits, c'est des aliments. Consommable. Rabbi Shimon Poter et Rabbi Shimon le dispense. Pour quelle raison? Des mouchba ve omed hu alehem. Car il a déjà juré qu'il n'allait pas les manger ces aliments. Soit il a juré lorsqu'on était au Har Sinai. Mouchba ve omed me Har Sinai, c'est ce que la Gemara dit. Ou plukta de Rabbi Shimon ve Tanakama. Et dans quel cas exactement est la discussion entre Rabbi Shimon et Tanakama? Bekolel dvarim amutarim im dvarim asurim. Lorsqu'il englobe des choses permises avec des choses interdites. Soit il englobe des aliments interdits à la consommation avec des aliments permis à la consommation. Kegon, par exemple. Beomer, je vois shalo ochal shchutot ou trefot. Par exemple, je jure que je ne vais manger ni des aliments abattus par la shrita, ni des aliments, ni de la viande abattue par la shrita, ni de la viande tref, pas cachère. Alors là, puisque tu prononces avec une même voix, tu englobes des choses permises et d'interdites, ou bien Kegon, ou autre exemple. Beomer, je vois, shalom, chal, shrutot. Alors Tanakama, ça va. Tanakama pense que, migo de chayla, je vois, shrutot, du fait que, étant donné que, à la règle de migo, puisque de toute façon, on va voir que sa je vois, elle est chal, elle tombe, elle incombe face au shrutot, alors chayla namia trefot, elle va aussi. Lui incombé face au tréfot. Ouais, il englobe une avec l'autre. Des issour chal al issour, be issour kolel. Car on tient la halakha que un issour peut imposer un issour supplémentaire qui était déjà présent, si toutefois il est be issour kolel, avec un interdit qui englobe. Et Rabbi Shimon savar, et Rabbi Shimon pense que un issour chal al issour, be issour kolel. Un issour n'incombe pas plus. Lorsqu'on englobe d'autres choses en même temps, face à cet aliment-là, il ne sera pas chal. La halakha n'est pas établie comme Rabbi Shimon sur ça.
Ensuite, la fin de la Mishnah nous enseignait avec l'histoire de sa femme. Il interdit les biens à sa femme si toutefois il a mangé aujourd'hui, et que s'il a mangé de Néolot, autre faute, alors sa femme n'aura plus le droit de profiter de ses biens pour la journée. Share achalo chalim, car Ishto Asura, sa femme n'aura plus le droit de profiter. Share achalo chalim, puisqu'il a mangé. Et même selon Rabbi Shimon qui nous enseignait au-delà, au-dessus, qu'on ne pouvait pas les interdire, cette fois-ci, il reconnaîtra que les biens sont interdits à sa femme. Pourquoi ? Car la raison pour laquelle on l'a dispensé dans la première Mishnah, ce n'est pas parce qu'on considère que des nevelot très fortes, ce n'est pas des aliments. Et là, mais c'est oui des aliments, c'est bien sûr que c'est des super aliments. Le problème que quoi ? Mais c'était quoi ? C'était que... Et là, c'était juste un problème technique avec les l'chot jvoua, que la jvoua, le serment, ne nous incombe pas lorsque je m'interdis quelque chose qui était de toute façon interdite. En l'occurrence, dans notre Mishnah, où c'était juste la condition à remplir pour interdire autre chose, alors on considère que tu as effectivement mangé. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.